21 juillet 2022, si est-il la fête nationale en Belgique. Un traditionnel Te Deum a donc ouvert les festivités. Elisabeth de Belgique a fait sensation avec sa robe rouge vif Victoria Beckham. Le 21 juillet 2022 est un jour important pour tout le peuple belge, si est-il le jour de la fête nationale. Comme d'habitude, cette journée festive commence par un Te Deum. La famille royale belge, au grand complet, a assisté au Te Deum à la cathédrale Saint-Michel et Gudule de Bruxelles. Mathilde de Belgique, 49 ans, a choisi une robe ocre pour l'occasion. La princesse Éléonore, quant à elle, s'est affichée dans une magnifique robe bleue. Gabriel et Emmanuel de Belgique ainsi que le roi Philippe de Belgique ont opté pour des costumes bleu marine. La princesse Elisabeth de Belgique a, quant à elle, choisi une robe rouge écarlate de la créatrice Victoria Beckham. La duchesse de Brabant, 20 ans, a suivi les pas d'autres duchesses icônes de la mode et têtes couronnées icônes de la mode féminine. En vraie fashionista, Elisabeth de Belgique, duchesse de Brabant, a fait comme la duchesse de Cambridge, la duchesse de Sussex ou encore la comtesse de Wessex. Ces femmes royales sont toutes des adeptes de la marque de vêtements de la femme de l'ancien footballeur David Beckham, rappelle l'histoire royale. Notons que la princesse héritière de Belgique a associé sa robe sublime, qui n'est pas sans rappeler le rouge du drapeau belge, à un bandeau de tête de la même couleur. Elisabeth de Belgique, la duchesse de Brabant accessoirise parfaitement sa robe Victoria Beckham, la fille aînée du roi de Belgique. Elisabeth de Belgique, a fait du sans faute dans son look pour la fête nationale de ce jeudi. Jelka Van Duys, une blogueuse mode, a décrypté la tenue de la princesse Elisabeth de Belgique, rapporte Histoire Royale. La spécialiste a reconnu la robe signée Victoria Beckham de la jeune duchesse. Elle a également repéré que les magnifiques boucles d'oreilles de la duchesse de Brabant sont signées Christine Becker. La grande sœur de la princesse Éléonore, 14 ans, avait à sa main une pochette à bague Louise Astori. D'après Jelka Van Duys, la princesse Elisabeth de Belgique l'a empruntée à sa mère, la reine Mathilde.